Là, c'est bon. Là, c'est bon, là. Vous entendez ou pas là-bas? Là, vous êtes sur haut-parleur? Oui, j'entends. Ah, ok, d'accord. Ben, comme c'est une surprise, je ne vais pas vous dire votre nom, je ne vais rien dire. On va parler et puis j'espère qu'ils vont pouvoir deviner qui c'est. Avant tout, je vous salue et je vous remercie d'être venu. Par la grâce de Dieu, j'espère que ça va, la santé, la famille et tout globalement, quoi. Donc voilà, soyez la bienvenue et merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons commencer. Moi, j'aurais, si le temps me le permet, si vous me le permettez aussi, j'aurais quatre questions. Après, si vous n'avez pas le temps, on restera sur deux. Maintenant, je vais déjà vous demander si vous voulez vous exprimer en français ou en soussou ou en malinké ou je ne sais pas, vous avez le choix. De toutes les façons, je traduirai, Comme j'essaierai vous de voulez. traduire une autre fois. Comme vous voulez. Bon, comme la Je peux plupart le des, faire. comme la Je peux le plupart des gens parlent français, faire. je pense peut-être que c'est mieux de parler français ou soussou ou mélanger, voilà. On fait comme chez nous, quoi, c'est la famille. On mélange tout. Oui. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vais poser en français déjà, et puis peut-être traduire en soussou. On va se mettre à l'aise pour que ce soit très très simple. Là, je suis obligée de dire votre nom parce que la question va parler de la personne. Vous êtes Madame Alimatou Dalen Diallo. Voilà. Normalement, vous êtes la première dame de Guinée si votre mari. Si sa victoire avait été reconnue. Bon, ça c'est mon point de vue. Comme on est dans un pays qui est vraiment à l'envers, les choses ne se passent pas correctement. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, comme c'est la fête des femmes aujourd'hui, moi je commence par cette première question. Si la victoire de votre mari avait été vraiment reconnue, qu'auriez-vous fait pour les femmes? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Parce que vous savez, on a beaucoup de choses dans la tête à faire pour les femmes ou des projets. Mais c'est qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur pour vous dire là, avant de mourir, moi, la première dame, je veux cela pour les Guinéens. C'est ça la première question, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ils entendent. Je crois que Bonsoir. si vous entendez, vous envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Vous entendez? Je pense qu'ils entendaient. Mais par contre, on entend le téléphone derrière vous là-bas, madame. S'il vous plaît, essayez de baisser le son. Que la personne s'éloigne ou mette l'écouteur. Bonsoir, Madame Sissoko. Ah, bonsoir, madame. Comment ça va? Ben, c'est avec un grand plaisir que je suis en ligne avec vous. Mais le plaisir est partagé. Je vous suis souvent et je vous écoute et j'ai une grande admiration pour vous et votre niveau intellectuel et votre niveau de raisonner et Merci. ce que vous voulez surtout pour votre pays. Vous Merci. voulez la paix, le bonheur pour les Guinéens. Je vous commence par vous remercier. Je vous remercie Pour aussi. revenir à votre question, j'aurais déployé toute mon énergie au service des projets d'autonomisation des femmes en leur donnant des moyens intellectuels et techniques et de gagner dignement leur vie par elles-mêmes. Oui, très important. Les femmes guinéennes investissent aujourd'hui dans une large mesure dans le secteur informel. En général, les femmes sont donc, on
Donc, je disais que les femmes, dans une large mesure, sont sur le secteur informel. Pour peu qu'elles bénéficient d'un minimum d'encadrement et d'accompagnement, elles sont capables de grandes réalisations et d'atteindre l'indépendance économique. En Colombie, il y a des gens qui sont accompagnés. Chaque fois que je suis en train de faire des groupements, je suis en train de faire des groupements. Et c'est comme un groupement là-bas, et Ressa, et Malessa, et Yokasa, et Cédric là-bas. Donc, on est accompagné de Dondurot. Vraiment, et nous, on a fait des bébés. Parce qu'on a fait des autosuffisances alimentaires. Donc, nous avons fait un accompagnement, nous avons fait des bébés. Parce que c'est des femmes, vraiment, on doit avoir du respect pour elles. Oui. Ces femmes qui travaillent dans le milieu rural. À côté de cela, j'ai pris plusieurs initiatives allant dans le sens de la protection de l'environnement et de la salubrité publique. Domaine auquel je suis profondément attachée. En colonel, il y a un tomane béni. Il y a un assainissement là-bas. Oui, oui, oui. Il y a un tomane béni. Il y a un tomane béni. Il y a Mais en colonel, il y a un particulier que les mouna marabadi. Kamanga se ako sembe na wali model sembe na. Pour un camion soto, il a machine soto, il rappelle soto, il a pebri soto, il m'a ramené soto, il a dans wali la main. Tout à fait. Donc, il y a la rafanira économiquement, il m'a ramené dans wali la main. Donc, mais de temps en temps, quand même, il a ma tout un temps assainissement n'a rien à bar, n'a rien à bar, mirin de nam. Car nous avons des catacombes. Il y a tout. Nous avons des machine pour rappel de la soie boum. Ato arrête tellement nous gèver boumeni. Tende nan mini, fumée blanche. Et ala. Tende nan mini. Ah, a fille de fouet tellement nous gèver boro. Avera boumeni. Yo. Donc, Nathan Fan, ma vision de Nanaki, assainissement, l'éducation des femmes. Autonomisation des femmes, notre modèle de quoi. Et puis la protection de l'enfance aussi, et tout ça, les enfants déshérités et tout. Donc, en gros, c'est l'indépendance des femmes, quoi, pour qu'elles soient vraiment plus ou moins indépendantes. Parce que c'est le spasme de la société, les femmes, de toute façon, si ça va pas. Exactement, exactement, exactement. Voilà, j'ai une deuxième question, si je n'abuse pas, parce que Donc, la deuxième question, je suis obligée de la lire en français et après se débrouiller. Ok. Ça sera trois questions en une seule. C'est-à-dire ce qui s'est l'incident de Tokunu, les séquestrations après les élections, parce que je pense que vous êtes resté à l'intérieur 10 jours ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Et après, ce qui s'est passé à l'aéroport quand vous vouliez aller au Sénégal pour vos soins, je crois pour les yeux. Voilà. Donc, tous ces trucs-là, je prends tout ça dans le même cadre. C'est-à-dire restreindre la liberté d'une personne injustement. Voilà, injustement, au but de l'humilier. Moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai perçu. Mais avec du recul, j'ai vu, je dirais après ce que j'en ai pensé plus tard. Donc, à ce moment-là, avec tous ces trois événements qui se sont suivis, au fond de vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel était votre état d'esprit? Face à toutes les injustices du monde, ma soeur, il y a la foi. Oui. J'ai foi en Dieu et je crois en la lutte
que même le parti dirigé par mon époux, la noblesse de la cause que vous défendez vous rend toujours invulnérable face à n'importe quelle volonté cruelle de vous écraser. Oui. C'est la loi du talion, quoi, la loi du plus fort. Oui. Et là, parce que Rayamat et Nara, la Guinée, dira le peuple de Guinée, il a fallu le peuple m'a élu. Si peuple n'a tiré. Mais quand il a mis la tout le monde, il m'a été réveillé. C'est-à-dire que le peuple n'a rien tiré. Mais quand il a mis la terre et dans le quartier, il parce que le peuple n'a été réveillé. Il a mis la terre, il a mis la terre, il a mis la terre, il a mis la terre. Normalement. Mais mon gambé, et voilà mon séquestre, et voilà mon mabalambé, al moura d'une énorme, madame Minimabé, Marie Moussouma, al mouna yessare, mon affaire, moura yessare, et mana yemoussara. Mon barabin, on a fait 10 jours ici, mon mabalambé. Faut mouna khelifi, ma kiti, comme relation namoura, et c'est sara, et fara tande, et n'affaire, ou n'affaire, ou adore, sur les femmes, amen. Ou on a beau la conviction et l'engagement neutralisent toujours la peur et le découragement. Oui. La conviction et l'engagement. Moi, je sais que je fais, j'accompagne mon mari, ce que je le fais avec conviction. Oui. Et puis, nous engageons quoi? Non, il y a un homme à camper. Donc, parce qu'il n'a son arrêt, son est. Mais la plus grande source de notre courage et de notre résistance est indéniablement le soutien inlassable du peuple de Guinée. Il n'a pas rien. Soutien, peuple, il a mini Yamatagi, il a Yamato et Fora. Quel soutien sera Madame Guinée? Il y a milliards, ça arrive. Non, il y a des milliards, il y a des milliards. Allez, on a un milliard et la minicame. Et on a un masse. Alors, on a un milliard, on a un yamana, 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 et Arli Pierre Moura, et Malar Moura. Donc, il y a ma question. Pour voilà, il y a la foi. J'ai foi en Dieu et je crois en la lutte que je mène. Inch'Allah, c'est le plus important. Il faut y croire. Tout ce qu'on fait, il faut avoir la bonne volonté. La foi et y croire. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. En tout cas, vous êtes une militante très engagée, très, très motivée. Et c'est très, très bien. C'est admirable. C'est vraiment, vraiment admirable. Donc, je vous en prie, il y a une petite histoire là. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tout le monde a entendu parler de ça, on a vu des images, j'ai même reçu, j'ai montré cette image la fois dernière ici. Il y a une question d'animal devant le, comment on appelle ça, devant le siège de l'UFP. Est-ce que c'est un âne? Est-ce que c'est un cheval? Et est-ce que c'est vrai? Vous avez entendu parler de ça aussi? Bon, moi-même j'ai vu l'animal de mes propres yeux. Quand j'ai appris que l'animal est là-bas, de passage, j'allais vers Dar es Salaam. Je me suis arrêtée. Je n'ai pas regardé en passant. Je me suis arrêtée, j'ai regardé. La ma autour a tiré un litre de gourou, n'a qu'un animal tout. Ça, il est donc à faire. N'a tout, il y en a. Mais encore, moi, je crois en Dieu, pas aux fétiches. Ceux qui se livrent à ces pratiques sont ceux-là qui ont peur. Ils ont utilisé la force et se sont heurtés à la foi. Ils n'arrivent pas à filer avec le butin de vol.
C'est ça le problème. Ah bon, il a ce gars, il a mouillé. Il a mouillé, 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 N'oubliez pas que le suffrage exprimé du peuple, il est obsédé par l'impossible destruction de l'IFDG. Et le problème, il y a un IFDG Karafi. Alors, on dit que c'est le mourir de Riyad. Yad, yad. Non, IFDG, parti la mamara de Oya Monaké. IFDG, parti la mamara de Fala. IFDG, Karamata, mon politicien, la Guinée est en Sidi. La partie Mourouda Sidi. Mais tu as la femme. Mais il est Ritamouna. L'UFDG, c'est une institution. C'est un parti organisé, structuré, où le Yomapi, parti Maya la Guimomara, parce que c'est ça la vérité. Donc le côté injuste là, il y a que l'on, Khalimouna Miriben, Tamouna UFDG. Khalimouna Miriben, mais Miriben, on a un parcours, on a un engagement. Il faut le reconnaître. Ah, c'est un nom d'une femme. Bien sûr. Oui, ça, il faut le reconnaître. Après, le reste là, ça, c'est autre chose. Mais tu ne veux pas reconnaître, il ramène sa position de qui. Non. Et puis, il a fallu que je impose ma main. La dernière question, avant le mot de la fin, et surtout, moi j'aurais ma petite question de curiosité surprise. Si vous voulez répondre, ah ouais, si vous ne voulez pas répondre, c'est pas grave. Ça, ce sera ma question de ma curiosité personnelle. Sinon, la quatrième question, et la dernière, normalement, c'est par rapport à cette dame qui a été arrêtée. Madame Doumbouya, Fatou Doumbouya, Madame Bangoura, je pense que c'est elle qui est Fatou Doumbouya et c'est son mari qui est Bangoura. Parce qu'il paraît qu'elle vous a traité de tout. Il paraît qu'elle vous a même souhaité la prison. Moi-même, je l'ai écouté, je l'ai souvent écouté. Voilà. En me traitant de tout, mais je dis, mais cette dame, elle ne me connaît pas. Je suis une femme comme elle. Elle mène son combat à droite et moi, je mène le mien aussi. Donc, Moi, ma vision sur ça, je souhaite que règne la paix dans notre pays et que la volonté du peuple l'emporte sur celle du mal. Donc, Fatou Bangoura a fait, vraiment, je ne voulais pas parler de ça. Mais je la soutiens, c'est une dame. Je l'ai vue et puis dit, mais démarre. Et puis, après, elle combat là-bas. Après, elle m'a babé, elle m'a fait la canne. Donc, maintenant, je suis là, 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 je suis là. Vraiment, je suis là, je suis là, je suis là, parce que Guinée n'a pas de mode de route, je suis là, je suis là. Ça, c'est ma vision concernant Fatou Bangoura. Donc, c'est vrai qu'elle vous a vraiment souvent diffamé. Moi-même, j'ai écouté de mes propres oreilles, j'ai écouté. Sintani. Ben, on lui souhaite bon courage et que moi-même, je souhaite qu'elle sorte parce que elle a l'air quand même. Les gens font des mauvais choix. Sinon, elle a l'air d'être une dame très, très farouche. Donc, quand ce genre de personne mène un bon combat dans un bon sens, avec un peu de foi, ça sera super. Mais peut-être, vous savez, la prison aussi, c'est une façon de nous faire, je ne sais pas comment on appelle ça, une grave déjà d'Enara, quelquefois. Oui, quelquefois. Maintenant, la question surprise, vous n'êtes pas obligé de répondre, sincèrement. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la curiosité malsaine. Ça vous fait combien d'années de mariage? 35 ans. 35 ans de mariage? Ouais.
J'ai 35 ans de mariage. J'ai 4 petits-enfants. On aurait vraiment eu un vrai couple présidentiel, un couple formé normalement, pas un business, un vrai couple sur du long terme avec de bonnes bases et en plus avec des petits-enfants, c'est-à-dire à l'américaine quoi. Vous êtes là, vos enfants, vos petits-enfants, toute la famille harmonieuse et tout. Mais bon, exactement. Quand l'injustice règne, c'est comme ça que ça se passe. Mais on va continuer à se battre. Moi, je suis très, très contente que vous soyez venue. Et j'espère que vous aussi, c'est content. Je suppose qu'ils ont... Je viendrai souvent discuter avec vous parce que c'est vraiment avec un grand plaisir que je fais. Ah, mashallah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi. Vous êtes vraiment... une dame formidable. Moi, j'ai regardé quelques vidéos pour la campagne et tout. C'était super. C'était très, très bien. Il y avait l'harmonie, la complicité. Vous êtes motivée, vous êtes battante. Vous parlez, je ne sais pas combien de dialectes en Guinée. C'est vraiment... Vous avez l'air aussi... Vous avez l'air d'avoir une grande ouverture d'esprit et une bonne culture générale. C'est très, très bien. Et puis, une communication facile. Voilà, à l'aise et tout. Merci. C'est très bien. Il a fait le nid deux fois, Manikakan, non? Ah, Manikakan, Faranfo. Deux fois. Mbari félicité. Merci. Il est barré à Menkan, Allah y sera. Amina. Il a fait le la Guinée et Souma. Allah y la Guinée et Souma. Amina. Inike. Ici, Soko. Merci. C'est très, très gentil. Vous êtes formidable. Vraiment. Très, très formidable. J'espère seulement que le son pour eux, là, c'est... Je ne sais pas. Ma Kolongre et Ramé Fafan Miraba. En tout cas, il y a un cœur et il y a un Sambafé. Donc, merci. C'est une bonne fête. C'est-à-dire, ça donne de l'espoir. Donc, les femmes doivent accompagner leur mari dans leur projet. En politique et autres, oui. Et tout, ce sont les femmes qui donnent la force à leur mari. Ce sont les femmes qui donnent la force, vraiment une force indéniable. Quand la femme, elle est déterminée, elle est vraiment déterminée. Et quand le mariage est basé sur l'amour, il n'y a pas mieux que ça. Vous voyez comment eux, ils sont. À Watananakide, s'il y a des gens qui ont bricolé leur affaire, ils ont renouvelé le bail. Alors, madame, la vraie première dame, c'est vous. On va continuer à se battre, Allô? Parce que... Allô, oui? Allô? Oui, on vous entend. Vous entendez ou pas? Allô? Oui, allô? Vous entendez là? Hein? Maintenant, je t'entends. Allô, oui? Maintenant, j'entends. Je dis, c'est formidable. Il faut que le mariage soit basé sur l'amour et tout, parce que la femme est vraiment le pilier du couple et que les femmes soutiennent leur mari en politique et tout. Quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont entendu. Allô, allô, il n'a pas failli. Parce qu'ils envoient les cœurs. Allô? Allô? Allô, oui? On a la connexion. Les sorciers, allô? sortez de notre téléphone, les sorciers. Sortez. Allô, oui? Allô? Ah oui, voilà. Ça va bien? Ça va là? Allô? Attendez, je vais rappeler. Allô? Allô, oui? Allô? Il faut chasser les sorciers. Les âmes sont venues. Alors, on n'entendait pas bien. Donc, je vais mettre sur haut-parleur si vous avez 2-3 minutes encore. Voilà, vous entend. On vous écoute. Voilà, un petit mot pour la fin. Pour les curieux.
d'abord, à l'occasion de la fête des femmes, rendre un hommage à toutes les femmes, à toutes les mères, les soeurs, les tantes, et toutes les mamans en général. Je voudrais aussi exprimer ma solidarité à celles qui vivent le cauchemar de l'emprisonnement injuste de leur époux. Pour revenir au dernier mot, permettez-moi de vous dire que la victoire de mon époux ne souffre pas de non-reconnaissance. Elle a celui d'Alenia, le président élu par le peuple du Guinée. Et je rassure qu'il gouvernera pour le bien de notre peuple. Mais la dictature et la mentalité rétrograde ont la peau dure. Oui, oui. Bien entendu qu'il y a du chemin à parcourir. Et confiant, convaincu que l'arbitraire et l'injustice finiront par taper pour tout. Ah oui, c'est clair. Donc, Madame Boré, Guinée, Birin, Raiboumba, Rappelé, Birimbe, et Sobot, et bonne fête. Il fait Nyalama, il a Moutantobe, il a Makolo, ma fête Nara. Oumara, ouais, il veut que je fasse la Bécono. Maman, ouais, mané, il faut les rafler, faire la Béé, il Corona, il Covid-19. Donc, moi, ma frappe, il y a Yandi et Ramas Kousso. Il faut les non-dénaires. Donc, nous nous battrons pour que la femme guinéenne, qui représente plus de 56% de notre population, soit la clé du développement en Guinée. Donc, Tanti Marie. Tanti Marie. Oui. Allô? Allô? Chasser les âmes. Les âmes sont venues. S'il y a des âmes qui viennent sur notre direct, il faut les chasser. Il faut les frapper avec le bâton. Allô? Là, là, la connexion. Allô? 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 Allô, oui, c'est bon là, nous on entend, oui. Allô? Et voilà, c'est la connexion. Allô? Oui, on entend, on entend. Je vais essayer peut-être. Allô, je suis là? Oui, oui, oui. Vous êtes là. On vous entend. Attendez, je vais rappeler. Il faut chasser les sorciers là. Ah, c'est bon. Je peux mettre sur le haut-parleur? Ah, d'accord, on va remercier. On va terminer. Voilà. C'est bon, on vous écoute. Je voulais saisir l'occasion de ce live pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, plus particulièrement aux femmes guinéennes. Je souhaite que la femme guinéenne se prenne en charge, comme toutes les autres femmes du monde. Je souhaite que la femme guinéenne soit au devant de la scène. Donc, pour ne pas vous tenir longtemps, je vous souhaite très très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes. Merci, merci. Plus particulièrement à ma soeur Marie. Merci. Merci beaucoup. À vous aussi, ça me va droit au cœur. Je suis très contente et honorée.
Vraiment, Ok. merci. Allô? Voilà, donc en tout cas, merci d'être venu. Tout le monde vous dit merci, là, ils envoient beaucoup de cœur et tout. Je pense qu'ils sont surpris. Ils sont tous surpris, c'est normal. Mais Merci c'est ça la beaucoup. surprise, hein. Merci. C'est le Merci. but. Donc, Merci, ma soeur. Merci. voilà, merci, merci à vous aussi. À bientôt, on va continuer à se Bientôt. battre parce que les anciennes habitudes ont la peau dure. Il faut tanner la peau, très bien, et il faut du temps pour tanner cela. À très très bientôt, Inch'Allah. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour parler de d'autres sujets.